الحمد لله الذي أمرنا بالصوم إذ يقول كل عمل ابن آدم له إلا صيام فإنه لي وأنا أجزي به والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي قال في الحديث إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصعدت الشياطين فإن من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين أن جعل لهم ليلة القدر ليلة القدر فرصة لتذود من الطاعات والإكثار من العبادات وتقرب إليه سبحانه وتعالى بأنواع القربات من ذكر وقيام والصدقة وتلاوة القرآن فهي ليلة موصوفة بأنها خير من ألف شهر كما قال في قوله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر فعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن وقفت ليلة القدر ماذا أقول قال قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني عباد الله أيها المسلمون يقول رسول صلى الله عليه وسلم في رمضان ليلة القدر في رمضان فالتمسوها في العشر أواخر فإنها في وتر 21 أو 23 أو 25 أو 29 في آخر الليلة وتجب على المسلم ما يسمى زكاة الفطر الحديث ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر زكاة الفطر في رمضان على العبد والحور والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين إن زكاة الفطر طاهرة الصائم من اللغو والرفث وطعمة المساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ويجب في اليوم العيد الصلاة فرض كفاية كما قال ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله صدق الله العظيم La louange est pour l'unique Allah. Il s'est donné le nom Allah dans le Lawhi Mahfouz. Toute chose créée en forme humaine ne peut pas porter le nom Allah. Paix et bénédiction d'Allah sur le prophète Muhammad. Le prophète illettré à qui Allah a donné la science de la religion. Musulmans, mes frères, je vous invite à la crainte d'Allah. Craignons tous Allah. Et sachez que vous vous trouvez pendant ce moment, à partir de demain ou au début des 10 jours bénis du mois de Ramadan. 10 jours dans lesquels se trouve le bien et la bénédiction qui ne se trouvent pas dans les autres jours du mois béni de Ramadan. Dans ces 10 jours, se trouve une nuit qui est meilleure que 1000 mois d'adoration. Allah dit « Khayru min al-fishaha » c'est-à-dire la nuit-là vaut mieux que 83 années et quelques jours d'adoration pour le fait que
Le bienfait de la nuit du destin que tout le monde cherche, qui est la nuit de l'Eilat al-Qadr. Celui qui sera privé de son bien se verra véritablement privé. C'est une nuit vraiment bénite. Durant laquelle, Allah dit, est décidé tout ordre sage. Allah dit, fiha yufraku kullu amrin hakim. Pendant cette nuit, que nous devons tout chercher, les actions sont meilleures que les actions accomplies durant 83 années. Et quiconque prie durant cette nuit, en étant croyant et en espérant recevoir la récompense, ses péchés commis dans le passé sera pardonné. Allah dit, certes, nous l'avons certes fait descendre, c'est-à-dire le Coran, Kitab ou Sunna, le Coran, pendant la nuit de l'Eilat al-Qadr, la nuit de Qadr. De même, l'évangile qui a été révélé au prophète Issa. Le prophète Issa, ce n'est pas Jésus, Issa. C'est les Romains qui ont mis le J et s'attendent comme Jésus. C'est Issa, sa langue maternelle. La Bible lui a astaghfirullah, l'évangile. Rappelez-vous que l'évangile que nous avons dans nos mains aujourd'hui n'est pas l'évangile de Jésus. C'est selon Matthieu, l'évangile selon Luc, l'évangile selon Jean, l'évangile selon. C'est pourquoi nous croyons au principe qu'Allah a révélé son message à Jésus, qui est l'évangile de Jésus, que nous attendons qu'on nous amène, et les musulmans vont croire après vérification, et il n'y aura pas de différence avec le Coran. Extrait de l'évangile de Jésus. Iskola Isa ibn Maryam, Ya Bani Israël, Inni Rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-Tawrat wa mubashiran bi rasuli yati min ba'd ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadha sihrun mubin. Voilà l'évangile, un extrait d'évangile de Jésus dans le Coran. Donc Allah a révélé l'évangile aussi à Jésus pendant la nuit de l'Eilat al-Qadr. Et la nuit de cadre est meilleure que 1000 mois. Durant cette nuit descendent les anges. Les anges descendent ainsi que l'esprit. Les anges, ici l'esprit, c'est l'ange Gabriel. Waouh, l'esprit. Allah dit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre, est la paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Allah, dans un autre verset du Coran, nous dit, les anges descendent et retournent vers Dieu en un jour comptable, Khamsina Alfimi Mataoundoun. C'est un jour céleste qui équivaut à 50 000 ans. Et les anges descendent comment? À la vitesse de la lumière. Ce que vous allez parcourir 50 000 ans pour atteindre, ils prennent la nuit là pour descendre. Et c'est ça. La vitesse de la lumière, ce n'est rien d'autre que tous vos systèmes de satellites de communication. Ce qu'on dit là, qu'on peut nous attendre à l'instant T, dans le coin le plus reculé du monde, nos internets, nos téléphones, nos fax sont à la vitesse de la lumière. Les anges descendent beaucoup durant cette nuit à cause de l'abondance, de sa miséricorde. Et en ce qui concerne l'esprit, il est dit que c'est l'ange Gabriel et il est dit aussi que ce sont des anges particuliers. Et il faut faire des efforts pour rechercher donc cette nuit pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Le prophète dit avoir vu la nuit là, mais il ne se rappelle plus. C'était lui dans les 10 derniers jours du Ramadan qui est un jour d'impair. Il ne sait pas si c'est le 23, 25, 27, et c'est pourquoi il fait un effort pour ne pas rater la nuit. Faisons tous l'effort pendant les 10 derniers jours pour ne pas rater la nuit de l'Eilat al-Qadr, qu'Allah nous accorde cette nuit. Et augmenter les bonnes œuvres, les invocations et les demandes adressées à Allah durant cette nuit. Et il est de la sunna que la personne dise pendant cette nuit,
comme Aïcha a demandé au prophète Mohammed. Et si je suis pendant la nuit de l'Eilat al-Qadr, qu'est-ce qu'il faut demander à Allah? Aïcha dit, demande, et le prophète lui dit, Kouni, dis souvent, Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ça ne veut pas dire qu'on ne demande pas autre chose, mais que cela nous vienne beaucoup. Allah est le pardonneur, tu aimes le pardon, donc pardonne-nous, celui qui est pardonné pendant ce mois où nous sommes déjà presque à la fin de Rahma. Il ne restera que pendant ce temps-là d'espérer le paradis, qu'Allah nous accorde son paradis. Sachez, musulmans, mes frères, qu'Allah vous protège, que les efforts durant ces deux derniers jours doivent être accomplis avec sincérité et en suivant la sunna du prophète, de même que l'ictikaf, c'est-à-dire la retraite spirituelle. 10 derniers jours, quand le prophète l'accomplissait pendant les 10 derniers jours jusqu'à ce qu'il mourût. Le prophète, paix de bénédiction de lui, n'a pas cessé d'accomplir ce rite jusqu'à la fin de sa vie. La nuit de l'Eilat al-Qadr, à la recherche de la gloire et du bien d'Allah, on fait beaucoup, on égrène beaucoup les chapelets, les invocations et la lecture du Coran. L'ange Gibril descendait pendant la nuit pour venir enseigner au prophète Mohammed le Coran. Et pendant cette nuit de l'Eilat al-Qadr, la lecture du Saint Coran, waratil al-Quran tartila. Les anges sont dans les portes des masajid où on prie, on lit le Coran. Celui qui lit, celui qui entend lire, on lui prescrit les hasanat. Je disais que un jour au temps du prophète, il faisait cette prière. Il a fait premier raka en lisant Bakra, Ali Mourad, An-Nisa. Il n'a pas encore fait de raka quand Bilal est venu le voir pour dire qu'il est temps pour la prière. Il est temps pour le sourd. Donc, ne négligez pas cette prière. Il y en a qui aiment beaucoup dormir et qui négligent cette prière, attendent juste peut-être venir faire des rakas. Non. Aïcha déclare que pendant la nuit de destin, dans la recherche au cours des retraites spirituelles, le prophète réveillait sa famille, tous allaient prier. Et la retraite celui qui est à la retraite spirituelle doit s'abstenir de mener une vie sociale normale. Il ne peut même pas rendre visite à un malade, pas plus qu'il ne peut assister à des funérailles ou approcher une femme. Il ne sort que pour satisfaire un besoin naturel. Le Coran dit « Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid » Ne les approchez pas alors que vous êtes en retraite dans les masajid. La retraite peut être donc accomplie dans n'importe quel masjid où se tient la prière collective. La retraite la plus méritée est celle que l'on fait dans l'une des masajid suivants, Masjid Sakhe à Makkah, Masjid du prophète à Médine et Masjid Al-Aqsa à Jérusalem, qu'Allah ramène ça dans la main des musulmans. Le prophète a recommandé de prier beaucoup pendant cette période. Il réveillait toute sa famille pour prier. Il dit « Mansoma Ramadan imana wa iktisaba ghufra lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama laylatul qadr imanan wa iktisaba ghufra lahu ma taqaddama min dhanbi. » Quiconque jeûne avec foi sincère, Allah lui pardonne ses péchés passés, et quiconque s'élève pour prier la nuit de l'Eilat al-Qadr d'une façon sincère, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Justement, mes frères, avec la permission d'Allah pour cette année, la nuit de l'Eilat al-Qadr commence par être cherchée à partir de samedi. Qu'Allah nous compte parmi ceux qui auront la grâce et la bénédiction de ce mois. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Implorons la miséricorde, le pardon d'Allah, qu'Allah nous facilite la nuit du destin et qu'il nous compte parmi ceux qui auront la bénédiction de cette nuit. Do